Bonjour tout le monde, bienvenue sur Lyon Zeyli. C'est un plaisir pour nous retrouver où dans les salles. Jeudi, c'est dimanche 11 avril 2020. En fait, nous avons dit tout le monde, veillez côté ou à mettre pied ou pas contre qui bon ou à attendre dans ce moment-là. Mais nous voulons dire que faut faire très attention. D'ailleurs, la police à travers tout le pays, les États-Unis en entier, yo mobiliser qui s'est passé. En fait, avant que nous parlions, d'abord, faut dire que si vous même vous passez là pour première fois, pas oublier bouton subscribe en bas ou apaiser li pour capable être connecté avec nous. En fait, qui ça dit? C'est que ça nous relé white supremacist. Et bien à travers tout pays, à travers toutes les États-Unis, il y a organisé pour ça relé yon massive rally qui a fait nationwide partout white supremacists ont planifié et bien des rallyes dans plusieurs villes pendant weekend ça et en fait rally ça qui a commencé mobilisation yo organisé par et des groupes de Facebook qui ont gain des messages encrypted des messages secrets qui surtout utilisé Telegram et bien yo schedule jeudi et dimanche là une heure. Mesdames, vous comprenez bien que FBI et sécurité intérieure yo identifié une plus grosse menace qui gagne par bon ici c'est ça les white supremacistes parce que yo même yo organisé yo fait des attaques réelles. Par exemple, donc il y a un congressman qui a demandé Joe Biden pour le désigner comme terroriste tout white supremacist sur tout ça qui trouvé à l'extérieur du pays. Et nous capables citer des villes tant que New York, Fort Worth, Texas, Chicago. Ça c'est quelques parmi plusieurs villes côté que individu ça yo a gagné pour rassembler. Détails sur et bien gros rassemblement ça yo nous pas fin gagné yo. OK? Yo a fait à travers tout pays. Et nous comprenons que c'est un facteur justement prépondérant, c'est une véritable menace. Après ça, tu sais ça a été fait le 6 janvier côté qui a été débarqué au niveau du Parlement, crasé, brisé, groupe pro Trump, Rioter Trumpio. Eh bien, gagné des white supremacists justement qui voyaient message même par l'homme et cœur yo pour dire veillez-o yo. Donc c'est comme quoi on t'a dit yo pour yo jeter yo pour sécurité yo. Et ça pour nous comprendre nan cause ça côté que baga la kaman gomen c'est que rally ça gros rassemblement ça yo déjà gantan gen ça nous relé de ça relé contre protesteurs contre manifestation donc des boutons de dès quand opposé a frappé ou ka comprendre ça veut dire et nan message moun capable li konsa yo di joignez nous à partir de 10h p.m. dans Civic Plaza côté que n'a rallié contre yo bien dit oui white supremacists yo dans toute forme. Yo dit please mettez masque nous venez avec sin nous venez avec glow et planifiez pour nous capable faire bruit mais les amis nous gagner sécurité en nombre li page contre protestation. Possibilité pour ta gagner laisser frapper entre et justement des kansayo voyez un signal d'alarme par le département de la police qui dit que yo même bon côté pa yo y a préparé pour gros rassemblement ça yo ralliement ça yo à travers tout pays. Nous gen par exemple dans North Carolina police département porte-parole li fait konnen que et que gen yo au courant de rassemblement ça yo et moun en fait personnel qui responsable pour la sécurité logistique et planifier yo considérer évaluer différents facteurs. OK et yo va faire tout ça au capable pour capable et tout ça au capable pour assurer sécurité moun qui va vivre dans mouvement ça. En fait, quand on dépend cadre côté que yo va dire white life matter. So c'est comme quoi vous avez yo dit que c'est opposé à de Black Lives Matter. Ça vous l'ai dit par White Lives Matter.
Est-ce que vous voulez dire que il y a une discrimination qui fait contre monde blanche? Est-ce que monde blanche subit des signes d'injustice dans le pays? C'est des questions qu'on t'a posées. Nous pensons que n'ego pas fin comprendre. Ça veut dire là ce que on dit Black Lives Matter. Black Lives Matter c'est le contraire de ça n'ego a dit. C'est dit il dit que traiter même gens sous même pied d'égalité. Il y a vraiment d'autres traiter plus que blanc non, mais traiter au même pied d'égalité avec blanc. C'est ça que je veux dire. OK, c'est ça pour comprendre. Et parlementaire au niveau de Southern California, il a sorti une déclaration depuis vendredi côté il a condamné justement White King Ku Klux Klan qui prend schedule jeudi dimanche là dans Huntington Beach. Huntington Beach département police dit que yo enregistré des officiers qui a préparé pour gagner un plan de sécurité. Dans North Dakota, il y a plusieurs flyers qui ont circulé, qui ont fait promotion pour ça relayer une marche pacifique dans la ville là et côté que on dit tout le monde est capable de mettre face mask pour capable rester anonyme. Porte-parole la police de North Carolina dit que département au courant de toute planification ça yo. Donc son façon pour dire que c'est un peu partout à travers pays là, ba connait pour la caillou pour chercher qu'on est ça qui a passé exactement, mais groupe ça qui relait des white nationalistes a préparé pour prendre l'aria. Son façon pour dire que pour jeudi dimanche très certainement on capable préparer pour aller à l'église, mais nous voulons dire veiller effectivement parce que à terre à piéger monsieur dame ça va prendre l'aria est capable bien laisser frapper en deux camps ça bien entendu. Mais il est clair pour tout le monde que quand c'est white suprémaciste pas gain place pour Boris là, pas gain place pour discrimination parce que relait tout white suprémaciste dire des séries de monde qui pensait que le des chefs suprêmes yo décide l'autre. Nous pensons que yo pas gain place yo si n'a construit une société et d'équité, une société qui sans parti pris. Il est clair que individu ça yo pas gain place yo. Il est clair que depuis au fait zak qui en dehors la loi faut que yo trancher contre yo. Mais parallèlement fondou on dit en surprise bien entendu pendant que nèg sa yo a fait ça dans les gros ralliements ou suprémaciste. La veille, nous voulons parler hier, tu as un gros rassemblement et en fait près de 400 gros têtes dans les républicains ont été réunis avec les donneurs, les gens qui ont fait des dons pour définir la stratégie que vous allez faire pour arriver à reprendre le pouvoir. D'abord, côté que vous avez prendre la législature là, en 2022, ensuite vous dites, ok, attention, pour vous prendre la présidence en 2024. Donc voilà, guys, nous avons pensé que l'IT est important pour nous. Partager justement info ça avec vous parce qu'on vous dit que gagne tension toujours les États-Unis. Donc voilà, j'aime toujours dire restez branchés, restez connectés avec nous. Toutes dernières informations, c'est bon ici de la partager. Bye bye tout le monde.